Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Shalom frères et sœurs, je viens vous présenter aujourd'hui les dieux des amateurs, les dieux qui n'utilisent que les faibles. Un jour, il s'est emparé d'un amateur qui s'appelait Gédéon. Gédéon voulait faire les pros, il a dit, nous irons avec des milliers de personnes en guerre. Lui, il a dit, non, moi j'en veux que 300. Un jour, il s'est emparé d'un amateur, un faible, un jeune homme qui ne connaissait même pas comment on tient un bouclier de guerre. Et avec lui, il a terrassé les grands Goliath. Je vous présente aujourd'hui les dieux des amateurs. J'aime les dieux des amateurs. Et si quelqu'un vous traite d'amateur, rappelez-lui que ce sont des amateurs qui ont construit l'arche de Noé et des professionnels des Titanic. La suite, on la connaît tous. Je suis Miracle Béni Référence, jeune chrétien amateur. Shalom. Accorde-moi juste une minute. Suivez-nous sur notre chaîne YouTube, Miracle Béni TV.